Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve déjà le deuxième jour. On est mardi, je viens de me réveiller. J'ai pris une petite douche et je vais m'attaquer à un petit flow de yoga pour me réveiller. Et puis ensuite, comme d'habitude, j'ai quelques cours pour l'UNIF. Et puis je vous retrouve ce soir pour mon entraînement de gym. Donc voilà, j'espère que vous avez trop aimé. Et c'est parti. Je vais aller à mon entraînement de gym, je vais vous prendre avec. Aujourd'hui le but c'est de faire 360 sur la barre en fer. J'ai déjà réussi de la faire à la barre en bois, mais je dois vraiment m'entraîner sur les barres en fer. Donc 360 sur la barre en fer. Et puis voilà, juste un peu travailler les barres. Normalement aujourd'hui c'est vraiment session barre. Donc on se concentre là-dessus en espérant qu'on ne s'ouvre pas trop les mains. C'est bon, je viens d'arriver à la gym. Je dois juste plus que me changer. Et puis voilà, je vais vous montrer la salle. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà vu, mais c'est la plus belle salle du monde. J'étais censée faire un entraînement de barre, mais mes mains sont ouvertes. Du coup, on va faire seul. Changement de plan. J'ai fini ma séance de gym. Avec mes mains complètement ouvertes. Du coup, un peu déçue parce que à chaque fois que je m'ouvre les mains, j'arrête de faire les barres et j'aime bien faire des barres. Et là, j'ai pas réussi à faire mon 360. Mais on fera ça la prochaine fois, du coup. Et voilà, j'ai fait un peu de sol pour un peu rattraper le temps parce qu'il me restait quand même encore une heure. Donc j'ai fait du sol. Et voilà, j'essaierai de me concentrer la prochaine fois, du coup, directement plus sur le sol. Parce que avec les mains ouvertes, on arrive un peu à rien.
Voilà, je suis quand même contente de vous avoir pris avec. Comme ça vous voyez que bah, il y a des hauts et des bas. T'auras jamais 100% tes entraînements qui sont nickel, parfaits, où t'apprends un truc et que c'est trop chouette. Et je trouve que c'est aussi ça la beauté, de vous montrer toute une semaine d'entraînement et pas d'aller chercher l'entraînement le plus parfait où j'ai appris plein de trucs avec plein de sensations. Là bah, vous voyez les hauts et les bas et... Enfin vous voyez la vraie vie en fait. Que le sport bah, c'est mental et que c'est pas toujours... Enfin qu'il y a des moments où ce sera compliqué, il y a des moments où ce sera juste bah, des... pas les meilleures séances. Et c'est ça qui fait aussi que les bonnes séances sont trop chouettes, c'est parce qu'on a les mauvaises séances. Donc voilà, je rentre dormir parce qu'il est déjà un peu tard. Et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo.